Dash, dash! که ما دیدیم نه به عنوان فهم از اسلام بلکه به عنوان یک تجربه از شهیدانمون رؤیت کردیم مشاهده کردیم دیدیم این نکته نکته مهمی است تا کسی شهید نبود شهید نمی شود c'est un homme intelligent et c'est un vrai disciple de la ligne de l'imam Khomeini. C'est un homme très simple, très proche de son peuple. Il faut remarquer que Soleimani, c'est un héros national. C'est-à-dire même les opposants au régime islamique en Iran portent dans leur cœur le général Soleimani. Parce qu'il représente le peuple iranien, mais aussi il représente la résistance dans la région, la résistance en Irak, au Liban, au Yémen et surtout en Palestine. Que le Khuzestan a été envahi par Ahwaz aussi, par l'armée irakienne au tout début de la guerre. Donc les combats étaient terribles parce que l'imam Khomeini avait donc décidé qu'il fallait libérer. Ce n'était pas possible d'être occupé par les Irakiens. Et donc il y avait toutes ces offensives qui pour repousser l'armée irakienne, et les Iraniens ont réussi à la repousser. Parmi ces gens-là, il y avait des jeunes courageux mais qui sont passés sous les balles. Ou qui ont eu beaucoup de chance. Hein. Et parmi eux, il y avait le général, il y avait Soleimani qui à l'époque n'était évidemment pas général, donc il est monté en grade. Il est monté en grade pourquoi? Parce que il y avait beaucoup de gens qui tombaient. Donc quand quelqu'un était courageux, évidemment, il était connu pour aller de l'autre côté des lignes pour essayer d'informer sur la situation. Et pour les Irakiens, déjà à l'époque, on le considérait comme un martyr vivant. On avait l'habitude pendant la guerre de voir ces jeunes filles attendre le passage du train qui nous emmenait, nous, les soldats, au front. Elle offrait un bouquet de fleurs à l'un d'entre nous. Celui-ci savait alors qu'il tomberait en martyr. On a déclenché des hostilités d'abord contre l'Irak, puis contre la Libye, etc. Le tout absolument sans déclaration de guerre. Et là, cette frappe, cette élimination physique, cet assassinat du général Qassem Soleimani et de plusieurs officiers ou militaires qui l'accompagnaient est intervenue sous la forme d'une frappe sur l'aéroport de Bagdad, ce qui est d'autant plus étrange que, de toute façon, les États-Unis sont présents militairement en Irak. Elle est intervenue sans préavis, et il est évident qu'elle suscite, elle s'inscrit dans un contexte de durcissement des relations entre les États-Unis et l'Iran. Durcissement que je crois très préjudiciable aux deux parties, sans doute à l'Iran, qui est victime de sanctions économiques, lesquelles, on le sait très bien, n'ont jamais infléchi la politique d'un régime et ne font que cristalliser les populations autour de leur gouvernement et les indigner des souffrances injustes qu'ils subissent, et puis préjudiciable aussi aux États-Unis. Je pense qu'il est trop tôt pour pouvoir dire qui était Soleimani et ce qu'il a fait pendant sa vie, pendant son martyr. Des gens comme Soleimani n'apparaissent peut-être qu'une fois tous les 100 ans. J'ai été en France, je dis bien, parce qu'à l'étranger, c'est pas pareil, un des premiers à présenter qui était le général Soleimani. Et le titre de l'article, c'était Qassem Soleimani, un Che Guevara chiite. C'est à partir du moment où l'Irak était occupé par les Américains, Qassem Soleimani, il a pris
le personnage, qui est la sienne d'ailleurs, de défenseur de son pays, défenseur d'un idéal international. Qasem Soleimani, pour moi, comme Nelson Mandela, comme Fidel Castro, comme Che Guevara, comme tous ces hommes à travers l'histoire qui ont voulu repousser cette mainmise de l'impérialisme américain et sioniste. Une de ses principales activités a été la formation des cadres. Il a formé des centaines de Soleimani. Les résultats du travail de Soleimani dans la région, dans la lutte contre le sionisme et contre le terrorisme, qui sont une menace pour notre sécurité et la sécurité de la région, ont eu des répercussions très importantes sur notre diplomatie, les hautes tables de négociation. Si la République islamique n'avait pas eu cet atout, peut-être que nos diplomates n'auraient reçu aucune attention. Ce que ce grand général de l'islam a montré, ce sont ses capacités de commandement pendant la défense sacrée, Irak-Iran 1980-1988. Il est devenu commandant des forces de Quds en 1987. Et pendant 22 ans, grâce à lui, les forces de Quds ont connu un développement rapide ainsi que la résistance dans la région. Il s'est fait connaître pendant la guerre de 2006 au Liban, évidemment aux côtés du Hezbollah. Mais à l'époque, le Hezbollah était intellectuellement très lié à l'Iran. Et chez les Américains, étant donné qu'ils sont, jusqu'à présent, cet état profond, il est essentiellement dirigé par Israël, chez les Américains, l'idée est que il faut détruire le Liban parce que le Liban est entre les mains du Hezbollah. Or, le Hezbollah est l'ennemi numéro un d'Israël. Et donc, ce raisonnement simpliste ne fonctionnera pas. Ils n'arriveront pas à détruire le Liban de cette manière. En 2006, l'armée israélienne a été battue par les combattants du Hezbollah. Et tout le monde s'est demandé pourquoi. En fait, c'est parce que le Hezbollah a été conseillé par le général Soleimani, le général iranien. Ce dernier avait en effet trouvé une faille dans le blindage des chars israéliens, Merkava, normalement déclaré invincible, et ils ont été mis hors d'état de nuire. Et c'est ce qui a entraîné le retrait piteux et immédiat de l'armée israélienne du sud Liban. Hezbollah. Durant cette guerre de 2006, l'ennemi qui croyait en finir avec le Hezbollah avait compris que celui-ci était en capacité de le vaincre. Il ne s'attendait pas à l'utilisation de missiles maritimes. Avec un seul missile, toutes les forces maritimes sionistes se sont retirées. Après la cuisante défaite israélienne de 2006, il y a un objectif pour les États-Unis, c'est d'affaiblir l'Iran par tous les moyens. Les attaques aux pays voisins, Syrie, Liban, Irak, avait pour but d'encercler l'Iran. Let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. The people we're fighting today, we were supporting in the fight against the Soviets. Pour moi, il est évident que au sein de l'appareil d'État américain, c'est la branche néoconservatrice pro-israélienne qui a fait pression sur le président Trump pour assassiner le général Qassem Soleimani. Dès le 15 janvier 2017, alors que l'administration Trump entrait en fonction, déjà Michael Rubin demandait à ce que l'administration américaine capture, voire assassine, le général Qassem Soleimani. Donc en novembre 2017, Mike Pompeo, qui était à la tête de la CIA, et à ce moment-là, il avait envoyé une lettre au général Qassem Soleimani que le général a refusé d'ouvrir. Il avait dit « Je refuse d'ouvrir cette lettre et je n'ai rien à dire à ces gens-là ». D'ailleurs, que je n'ai appris qu'après que c'était lui qui était le responsable de quelque chose que je trouvais remarquable. Par exemple, la transformation de l'armée syrienne en armée capable de lutter contre les terroristes, c'est en grande partie lui.
Daesh est arrivé jusqu'à la frontière de l'Iran. 85% de la Syrie a été occupée par Daesh, qui était aux portes du palais présidentiel de Bachar el-Assad. À ce moment, tout le monde croyait que la Syrie allait tomber. Mais c'est alors que le guide suprême, l'ayatollah Khamenei, a dit « On ne peut pas laisser tomber la Syrie ». Et le général Soleimani entre en action sur ce nouveau front. Ben, je pense que la guerre en Syrie, c'est la pire de guerre que j'ai vue dans ma vie. C'est un pays qui était ruiné. On ruine ce pays. Ce qu'ils ne disent pas, c'est que le terrorisme de Daesh, c'est eux qui l'ont créé. Et quand il est défait, ils sont très mal. Et moi, j'ai vu à plusieurs reprises l'armée américaine qui bombardait l'armée syrienne alors qu'elle avançait sur les commandements généraux de Daesh. Et ça, par exemple, je peux rappeler un fait qui était dans les montagnes Sarda à côté de Deir ez-Zor, les bombardements. 52 bombardements contre l'armée syrienne qui s'approchait et qui faisait la défaite de Daesh et qui allait libérer Deir ez-Zor. Lorsque le président Bachar el-Assad a décidé de créer une milice populaire pour défendre chaque quartier, il a pris exemple sur le Hezbollah et sur les Basidjis en Iran. Quand il a fallu former ces jeunes gens, beaucoup ont été envoyés suivre des cours en Iran. C'était aider les gens à se défendre face à l'ennemi. Ça n'était pas étendre le rayonnement de l'Iran. Donc il faut voir que pour l'Iran, c'était aussi un effort considérable. C'est l'Iran qui a pris tout ça en charge. Personne ne semblait capable de lutter contre Daesh en dehors de Hachkrasel. En Syrie, cela a pris plus de temps, car il existait des doutes sur la nécessité d'armer la population. Bachar el-Assad ne donnait pas l'autorisation. Mais quand les assaillants sont arrivés près du palais présidentiel, Bachar el-Assad a accepté. Et les forces populaires se sont alors constituées. C'est le général Soleimani qui avait convaincu le président Poutine d'intervenir en Syrie militairement en septembre 2015. Donc l'intervention des forces aériennes russes à partir de 2015. Donc le rôle extrêmement important qu'il jouait, le rôle de pacificateur, je ne pense pas que c'était un va-t-en-guerre, il ne venait pas à Bagdad pour faire la guerre, mais il avait joué un rôle stratégique, militaire important et diplomatique. La preuve que le général Soleimani était pour la paix, c'est que certaines relations politiques tendues, comme celle avec Massoud Barzani, l'ancien président du gouvernement régional du Kurdistan, l'avaient appelé à l'aide pour combattre Daesh, alors que les Occidentaux, et notamment les Américains, avaient fait la sourde oreille. Les Américains, quand ils ont visé Soleimani, ils ont visé quelque chose de stratégique, pas une personne, un stratège, un grand stratège. C'était un assassinat stratégique. Alors l'objectif premier de l'assassinat du général Qassem Soleimani, du point de vue des Israéliens, c'est effectivement de chasser les forces iraniennes d'Irak, de Syrie, et de détruire le pont qu'a établi l'Iran à cause des États-Unis et d'Israël, parce que l'influence iranienne en Irak, puis en Syrie, est la conséquence de la destruction de l'Irak par l'armée américaine suite au lobbying des Israéliens aux États-Unis, et la présence iranienne en Syrie est aussi la conséquence de la volonté israélo-américaine de détruire la Syrie. C'est une sorte de dialectique. En Irak, le chef religieux irakien, l'ayatollah Sistani, avait senti le danger et avait donné ordre d'armer les forces populaires sur les conseils de Haj Qasem qui s'inspiraient de l'expérience qu'il avait de l'Iran. En Irak, donc,
Les forces populaires se sont rapidement constituées pour lutter contre Daesh. Ce qu'il a fait pour les frères kurdes, personne ne l'avait fait. Il a aidé les sunnites, les yézidis et les afghans, tous de façon égale. Il aimait tous les gens, sans tenir compte des différences d'ethnie et de confession. Mossoul est tombé aux mains de Daesh. L'objectif de Daesh était de se rendre au sanctuaire car ils avaient annoncé qu'ils voulaient profaner, ouvrir les tombes. Haj Ghassem, avec ses amis, est venu rapidement en Irak à la demande du premier ministre irakien et du gouvernement qui avait aussi contacté les États-Unis et les pays européens et arabes. Les États-Unis d'abord n'ont pas donné de réponse, puis ils ont dit qu'ils verraient. En fait, Daesh était l'œuvre des États-Unis, made in USA, avec l'agent de l'Arabie Saoudite et les fatwas des wahhabites extrémistes saoudiens. Quand les Irakiens ont contacté l'Iran, Haj Ghassem a répondu au gouvernement irakien de l'époque et il est arrivé rapidement. À cette époque, j'étais à Bagdad. Quand Mossoul est tombé aux mains de Daesh, personne ne savait ce qu'il fallait faire. Les chiites et les gens s'étaient résignés, certains se sont sauvés, les aéroports étaient bondés, certains ont fui en Iran, tout cela avant que le chef religieux du Najaf, l'ayatollah Sistani, donne sa fatwa. Haj Ghassem est arrivé avec ses forces et avec les forces irakiennes qui combattaient les Takfiri avant la venue de Daesh. S'est rendu à Samara, la situation a changé et Haj Ghassem, avec des commandants irakiens, a constitué les forces d'Hashd al-Shaabi. La guerre de Kirkouk, c'est important pour les Kurdes. C'est encore pour les Kurdes, mais aussi pour les Israéliens. Dans cette histoire, disons que, évidemment, Soleimani a su négocier, si vous voulez, que finalement, il n'y ait pas une bataille de Kirkouk et une destruction de Kirkouk. Après être entré dans Mossoul et avoir massacré 1700 soldats d'une garnison, Daesh a décidé d'étendre son pouvoir au-delà de Mossoul vers d'autres régions. Alors Haj Ghassem est reparti en Iran pour constituer une force de plus de 10 000 hommes, alors que l'Irak n'était pas prêt à recevoir un tel nombre de combattants. Mais le premier obstacle qu'a rencontré Daesh sur sa route à son entrée à Samara, Bagdad et dans les régions aux alentours, ce fut la vitesse de réaction d'Haj Ghassem. Les actions de Soleimani, c'était surtout des actions d'état-major. C'est un homme qui dirigeait les autres, c'était un commandant. Donc, vous trouverez certainement des exploits qu'il a réalisés lui-même, mais c'était un homme qui pensait comment utiliser ses forces face à des ennemis de nature très différente. Tant qu'il n'y aura pas de réconciliation, ce sera le chaos là-bas et des possibilités d'intervention des nations étrangères, que ce soit les États-Unis, la France ou la Turquie, ou Israël, bien sûr. Et je pense même que les États-Unis sont perdants dans cette affaire. C'est un assassinat tout à fait hors la loi, puisque le général Qassem Soleimani était en Irak à l'invitation du gouvernement irakien, où il devait rencontrer le Premier ministre le lendemain matin à 8h, et il était officiellement chargé par le gouvernement iranien d'une mission. Cette mission, sans entrer dans les détails, était de faciliter l'apaisement entre l'Irak et l'Arabie Saoudite, et il y avait des années que l'idée du général Qassem Soleimani, mais il n'était pas seul, il y avait des gens en Iran qui pensaient comme lui, qu'il fallait trouver des accommodements. Au moment de son assassinat, il devait rencontrer un diplomate saoudien, puisqu'aujourd'hui, les alliés des États-Unis se détachent de peu à peu, se rendant compte
qu'ils ne peuvent plus compter sur eux et que le parapluie stratégique américain est un parapluie percé. Donc, en effet, si j'ai bien compris, c'est un membre du gouvernement irakien qui a averti le président américain de cette rencontre et, involontairement je pense, donné donc l'information sur le général Soleimani qui a donc été liquidé par les services secrets américains. Ce que je constate, c'est que le lendemain de cette opération, dont le Pentagone et le président américain se sont félicités, eh bien, le Parlement irakien demandait le retrait des troupes américaines, ce qui est resté lettre morte, mais ce qui, évidemment, est un coup très dur contre la légitimité de la présence des forces de la coalition en général et des forces des États-Unis d'Amérique sur ce territoire qui n'a que trop souffert. Qui était cet homme qui, de son vivant déjà, était perçu non seulement comme un héros, mais comme un saint? Que représentait-il dans les différentes étapes de son existence? Il était la patience et l'endurance même, dit déjà sa légende. Il était toujours dans les pays en guerre, mais recherchait toujours le dialogue. Alors en Occident, le moindre soldat tué entraîne une indignation générale avec une surmédiatisation comme s'il s'agissait d'un général qui venait d'être tué. Et là, en l'occurrence, il s'agit d'un général et son assassinat illégal est passé tout à fait sous silence par les médias occidentaux. Alors qu'il s'agit effectivement d'un très très grand général qui a été exécuté sans déclaration de guerre préalable, et c'est un crime de guerre sans guerre. Le général Soleimani a été diabolisé par les médias internationaux et désigné comme terroriste sous pression des Américains. Qassem Soleimani représentait un monde oriental qui se trouve en conflit avec le monde occidental depuis le nuit du temps. Donc il a dans son héritage, dans ses gènes. Et là, cet aspect persane, bien entendu, c'est une nation, c'est un empire qui a toujours eu son mot à dire dans l'histoire, pas seulement de la région, mais du monde aussi. Et Qassem Soleimani, elle représente l'islam révolutionnaire à travers l'histoire, le chiisme. Donc, tout ça, avec tout ce qu'il a fait de son enfance, né dans une famille modeste, il était obligé de bâtir sa vie pièce par pièce. Il se trouve qu'à l'âge de 18 ans, le moment historique pour lui est venu, la révolution iranienne par Ayatollah Khomeini, il a trouvé juste le moment pour fusionner avec la révolution, et puis il a commencé à bâtir sa vie à partir de ce moment-là. L'exemple de Soleimani, pour qui il était possible de libérer cette région des puissances coloniales, qui continuent à l'exploiter alors qu'officiellement on a décolonisé depuis longtemps, ça, cet exemple, beaucoup de gens se reconnaissent. C'est vraiment un homme extraordinaire pour toute la région, pas pour son pays, pour toute la région. Comme l'Ayatollah Khomeini a été un exemple pour toute la région. حقوق همه افراد چه برادرهای اهل سنت و چه برادرهای اهل تشیع برای همه اونها حقوق قائل و این ایجاد اختلاف خدای نخواسته موجب سلطه خارجی خواهد شد دشمنان اسلام دشمنان قرآن کریم در کمینند
Je pense qu'il c'était un homme respecté et qui était influent politiquement, pas seulement religieusement certainement, mais d'ailleurs je pense qu'il avait été blessé, il avait quelque chose à un œil, une blessure de guerre je crois, je ne sais pas où il était ça, parce qu'on voit des photos quand il était plus jeune, il n'a pas du tout ça. Alors ça ne se voyait pas beaucoup, parce qu'il y avait une façon de se faire filmer toujours. Je me demandais au départ pourquoi, je n'avais pas remarqué, ça ne se voit pas, mais après on m'a dit que, alors effectivement, en regardant bien, mais je ne sais pas. Le chef d'une délégation égyptienne à l'époque de Morsi avait émis le souhait de rencontrer le général Soleimani. Après leur rencontre avec lui, ils m'ont dit qu'ils s'attendaient à rencontrer un général très sévère et que dans toute leur vie professionnelle, ils n'avaient jamais vu un général d'une si grande réputation internationale, aussi simple, aussi humble et aussi profond dans ses analyses militaires et stratégiques. Le général Soleimani était très affecté par la disparition de ses compagnons d'armes qu'il savait pères de famille et n'hésitait pas à rendre visite aux familles et surtout aux enfants des martyrs. Il était évident qu'il avait une affection particulière à l'égard des enfants. Quand il nous a rendu visite, il a demandé à l'un d'eux ce qu'il aimerait faire plus tard. « Je ne sais pas encore très bien », a répondu l'enfant à Ajkrasem. « Mais », a-t-il ajouté, « j'aimerais être soldat avec vous, comme mon père. » عندما تخرج أمريكا من المنطقة سيجمع هؤلاء الصهاينة ثيابهم في حقائبهم ويرحلون Celui qui était ferme et faisait trembler ses ennemis savait transmettre avec bienveillance auprès des plus jeunes. بزار بگم پام درد میکنه خوب چشام درد میکنه خوب از اون شهر تو Il avait créé la surprise en 2019 en rendant visite sur le tournage du film « Les 23 » du réalisateur Mehdi Jafari, un film retraçant l'histoire de 23 jeunes Iraniens prisonniers en Irak durant 10 ans et qui avaient résisté au chantage médiatico-politique de Saddam Hussein. روز اول شروع فیلم برداری بود دیگه توی راهروی استخبارات داشتیم ضبط داشتیم یهو درواز شد و سردار اومد تو پشتش دوربین اومد تو اصلا من باورم نمیشد که سرداره همه ستمگران عالم بدانند پدرم در قلب ملت ایران و امت مقاومت و آزادی خواهان جهان جای دارد خدا حافظ ای هم نشین همیشه خدا حافظ ای داغ بر دل نشسته تو تنها به دلهای خسته